As-tu trouvé la cause du bug de ton ascenseur dans la dernière vidéo? Nine, monsieur, j'ai pas eu le temps de fouiller. C'est en prévisionnel. Je pense avoir deux pistes. La première, c'est parce qu'il n'y a rien qui est au-dessous. Donc je pense que la hauteur à laquelle l'ascenseur est mis en place doit avoir une influence. Pourquoi, je sais pas. Je pense que le nombre de blocs d'air qui est autour doit avoir une incidence sur la réflexion. Et après, les limites de chunk, parce que j'ai l'impression que les ascenseurs fonctionnent bien quand ils sont compris intégralement dans un chunk. C'est-à-dire que la zone de 3 par 3 est comprise dans un chunk, ce qui n'est pas le cas des deux ascenseurs. Les deux ascenseurs sont à limite de chunk, enfin, sont à bordure de deux chunks. Et je constate que l'endroit où ça glitch le plus souvent, c'est à cette bordure-là. Donc, je me dis que peut-être c'est un lien avec ça, mais à fouiller. J'ai pas fait suffisamment de tests pour pouvoir dire ça vient de là et ça, ou ça vient pas de là. Bonjour, monsieur. Eh roi, eh roi, tu veux Ouais. te battre? Tu Non. veux te battre? Non. Allez, dites-moi où faut poser du cube là. Allez! Décor Mais le au vélo. village de PNJ. Il est là. Eh ben, tu prends une baraque, tu Ah prends bah des ouais. blocs et tu te fais la déco comme tu veux. Alors, d'où qui sont les deux blocs qui sont pépères? Alors, qu'est-ce que vous me proposez là-dedans? Une salle d'enchantement. Ah, ça serait bien qu'il y ait une baraque pour les salles d'enchantement. Une baraque qui fasse salle d'enchantement aussi. Ça, c'est pas con. Pas celle-ci parce qu'elle est trop petite, mais je pense peut-être celle en acajou. Ça pourrait être sympa qu'il y ait un coin de table d'enchantement. Là, ici. Eh? Qu'est-ce que vous en Genre une pensez, les salle amis? d'enchantement automatisée? Oh non, 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 pas forcément Pas automatisée, mais forcément. avec un coin, avec un petit coin. Quoi qu'elle est peut-être un petit peu étroite, celle-là. Faudrait un truc où il y ait 5 de large. Celle-là, elle est un peu un tunnel aussi. Y a de la clé. 1, 2, 3, 4. On peut peut-être ce mur-là le pousser d'un et faire un coin salle d'enchantement ici. Donc si jamais on met de glace, ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 7. Ça va manquer un ici. On peut mettre la table d'enchantement ici, ouais. En mettant la table d'enchantement ici, ce mur-là, on peut le décaler de 1. Ça gênera au niveau de la façade. Non, ça gênera pas au niveau de la façade. Ouais, baraque à enchantement, on va le faire ici. Tu t'en vas où? Je vais chercher des œufs. Des œufs? Je suis étonné, Des œufs. je suis étonné qu'Aurélien a pas dit, parce que là tu parles d'une baraque à enchantement. Ouais. Et d'où que là, je baraque à frites. Hein? C'est pas de T'as, baraque à bravo, frites en non, bravo. Belgique, c'est Table, tu peux me friterie. prendre de l'opsy, enfin tout ce qu'il faut pour faire deux tables d'enchant, s'il te plaît, et des livres. Ça marche. Merci. Baraque à frites, c'est dans le nord de la France. Bon, pas spécialement. Si. Du coup, celle-ci, qu'est-ce qu'il y avait comme proposition? Merci de ne pas faire des écritures en couleur, comme nous l'avons déjà dit. Il y a beaucoup de questions de trucs qui reviennent ouais, avec l'idée de faire un truc. Le pâtisserie, boulangerie avec le sol. Maintenant, comment l'interpréter dans Minecraft, ça? Des gâteaux! Ouais, on peut faire des gâteaux, mais il faudrait une sorte de vitrine. Eh ben on peut maintenant faire des vitrines. Est-ce que tu peux prendre de la stone, s'il te plaît? Ah non, remarque, c'est bon, je n'ai. Tu veux que je te ramène aussi des Prendre des glaces, bibliothèques? ouais. Prendre des glaces, on va Oui, des mettre. bibliothèques. Ouais, des bibliothèques aussi, ouais. T'en as besoin que de 15 ou t'en veux plus? Non, on prend un petit peu plus. Je crois que je dois avoir un stack normalement, non? Ouais. Ouais, bah, prends-en un demi-stack. Alors. TB? Ah oui, c'est vrai.
Il y en a un qui demandait si tu pouvais pas faire une armurerie dans ton village PNJ. Non, l'armurerie, elle est déjà prévue. Elle est déjà prévue chez moi là-haut. Hop, par contre, hors de la laine normale. Tu veux que je shoot ton Opsi? L'Opsi, tu la donnes le truc. Tu vois où sont les flèches? Ouais. Sur la petite partie à droite. Je crois que l'Opsi, tu dois l'avoir avec un où t'as un item frame dans un item frame. D'accord. Et les diamants, ils sont dans ton Ender? Non, mes diamants, tu les as dans le truc avec le coffre de. Je crois que c'est ou du gold ou de la ou du fer. Ok. C'est vrai que ça coûte une blinde les colorants avec la laine. Ouais, bah un Pas peu logique, moins. hein. Coucou. Il y a un ascenseur à item ici. Mais ouais, Je c'est croyais celui-là bon. celui-là ne bug pas. Faut juste décorer les maisons, quoi, en fait. Ouais. En tout cas, les miens fonctionnent bien. J'en ai fait. Mais c'est pour ça, je pense que J'en le... ai deux. En quelque sorte, il y en a un qui est double parce qu'il y a une double entrée d'item dedans. C'est pour ça que je pense que les blocs d'air ont une incidence. Les blocs d'air que tu as Ouais, autour. il faut épaissir la paroi du fond de l'ascenseur. Mais j'ai Ouais, même fait si des tu fais tests. ça, ça marche. À voir. À voir, Bah, je sais j'en ai pas. encore fait un hier, un ascenseur comme ça, Ouais. T'as pas et de en glitch. faisant, ouais, non, en faisant une double épaisseur de verre, enfin, ou de bloc, non, sur la partie du fond de l'ascenseur, ça glitche pas. Bon, on va tester. On testera. Qu'est-ce que. J'ai de quoi faire des tables. Je vais même les faire tout de suite, ce sera plus simple, ça me prendra moins de place. Bon, ça n'est plus. Moi je les ai fait comme je joue, et il y en a un qui est comme ça, il a rien autour et il fonctionne très bien. Ouais, mais tu dois être dans le même chunk. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qui jouent dedans qui font que. Ah oui, c'est peut-être aussi une histoire Je pense d'avoir que des c'est. chunks. Ouais, il doit y avoir des. Peut-être tu peux faire le nécessaire pour faire 2-3 gâteaux. Ben, c'est ce que j'étais parti chercher avec les œufs, mais je trouve pas les œufs. Les œufs, tu les as dans le truc à bouffe qui est pile poil en face de celui des. Ah oui, je les ai. Il doit en avoir 4 ou 5 stacks. Bon, plus Et que pour ça. lire d'autres questions. A été invité sur Holicube qui n'a pas accepté à part Bill au début personne ou tout le monde. D'où est tiré ton avatar de mon imaginaire? Je sais pas. Vous pensez quoi de la 1.8? On aurait pu faire mieux que ça. Y a pas trop d'informations dessus, donc qu'est-ce qu'on peut en Ouais, et puis penser? le peu que j'en ai entendu parler, franchement. Les bébés zombies sur poulet, Non, comment sérieux? dire? Ouais. Ouais, bien Non, sûr, il non, va y ils sont avoir en des bébés 1.7, zombies sur ça. poulet. Ils sont en 1.7.4. Ah, en plus. Ou enfin, bon, bref. Je trouve vieil. Ouais, y a des trucs que j'attends plus que le bébé zombie sur poulet, personnellement. Ouais. Moi, je sais pas, le truc au niveau de l'expérience, et puis je réfléchis, et puis je me dis pourquoi Ah pas. oui, il y a ça aussi, ouais. Je me dis pourquoi pas. Arrête d'essayer de Par nous contre, tirer des ça flèches compte. d'ici la table. Non, c'est juste que je me mets là pour balancer mon Ender Pearl pour aller plus loin. Ouh, t'as eu de la chance parce qu'il y en a un qui arrive juste derrière toi, il avait une épée chargée. Il est prêt à te taper fort. Mais moi, j'y réfléchis, et moi, je pense que ça serait super sympa quand même qu'au niveau des armes, il y ait plus de possibilités. Etc. Enfin, je trouve qu'il y a plus de
Moi, il y a un truc que j'attends vraiment, vraiment, vraiment. C'est qu'on puisse faire des escaliers au dédale avec la Stenet Clay. Ouais, moi aussi. Et moi, c'est un petit peu toujours pareil. Je l'attends pas plus que ça, en fait. Là, au niveau architecture, pour faire les toits de couleur, voilà quoi. Eh C'est ouais, mais juste. après tu vas te retrouver avec tous les trucs, tu vas... Enfin, je veux dire, il y a des tas de possibilités pour faire des toits en couleurs différentes. Maintenant, on a quand même 6 essences de bois différentes. Et venir Oui. faire un toit en verre patate... Oui, le verre patate n'existe pas, mais je viens de l'inventer. Je sais pas, Non, mais ça... ça peut servir pour autre chose. Moi, Bah, j'aime si bien tu prends... respecter quand même le truc avec, en te disant, t'es quand même avec un cube qui fait un par un par un. Et... Je sais pas, Pour moi, il y a des moyens de. Enfin, tu regardes, t'as vu Jamila, c'est qu'avec des cubes qui font un par un, et ça t'empêche pas d'avoir des trucs qui t'en foutent plein la gueule, quoi. Et quand tu regardes, c'est les pics en dessous des mon... au-dessus des minarets, c'est que des cubes de un par un, et ça envoie, quoi. Ça envoie. C'est juste qu'il faut se casser la tête pour arriver à faire quelque chose de propre, quoi. Ça Ouais. simplifierait trop la chose, Ouais, je mais trouve. non plus, bah, je suis pas Ou loin, je pense. alors, il faut passer 6 mois à farmer de la brique pour avoir des toits rouges, quoi. Ça va. Ben non, les toits rouges tu peux les faire en Ornate Clay, et puis après t'es pas obligé de faire des toits qui soient en escalier. Tu mettrais des toits, tu mettrais un bloc en entier, ça ferait exactement le même. Ah, de loin, Roi, ça a exactement le même effet. Ah ben ouais, mais attends. Et on faisait Peut-être pas comment des avant? escaliers, mais des dalles, ce serait pas mal. Les dalles, j'ai un autre avis dessus. Les dalles, je suis à peu près pour. Les escaliers, un peu moins. Et ça peut faire très paradoxal de dire comme ça, mais. Je sais pas, je trouve que c'est Les pas mal de dalles, pouvoir oui. réfléchir. Les escaliers. Me les craft les trucs, les verres blancs? Les verres blancs? Ouais. Ah, j'ai oublié les verres blancs. T'as Tiens. oublié le verre? Ouais, tiens. Table d'enchantement déjà. Putain, je sais plus faire des gâteaux. Comment on fait du gâteau? 5 blés, 3 Ça blés, 2 dépend. œufs, Ça dépend quel 3 gâteau. sucres. Oh, tout ça. Ah, il Ah, je faudra connais une tous les recette de crafts. gâteau au chocolat dans le jeu. Avec du cacao. T'es T'es sérieux sérieux ou ou quoi quoi là? là? Autre chose. Il y en a un Qui? qui a Moi? éternué. Ouh. Bon, tu m'as oublié le verre alors. Un toshum? Ouais, tiens, je te passe aussi les bookshelves. Non, non, pas le blé. Ah, mais je suis déjà parti, je suis allé chercher le verre. Oh, d'accord. T'es parti chercher quoi chez toi là? T'es déjà chez moi? Ouais. Il te faut quoi? Du verre. Mais c'est bon, je suis déjà arrivé. J'entends des drôles de bruit. Qu'il est? Où qu'il est? Le pourri, je montre rien à l'écran. Je Oh, tu veux de là, je suis pâte là. là? Vas-y. Vas-y. Tu veux de pâte là? Mais arrête un peu au ré. Alors, on va prendre du verre comme ça. Et il me faut. Dans le mur. Allez hop. Oh, ça va? Non. Alors, en fait, ce que je veux pas vous montrer, c'est ça. Ah ah Je meurs. Moi aussi. Allez, hop. Coucou. Ok, ça c'est fait. Bah, tu les as fait ces gâteaux au table? Non, je sais plus comment on les fait, je suis en train de poser les bibliothèques là. C'est chaud de les poser là où t'as mis la table d'enchantement. Non, par contre, faudra agrandir, faut casser un peu la maison. Ah ouais, on est d'accord. Ah, non, non, ça faut le Hein. casser. Parce que là, je me galère un peu. Alors, Oups là. Plus que 2. 14-15.
Et me voilà enfermé dehors de chez moi. Et je ne vais plus avoir de nether. Un slab. Et que je peux me piquer. Laisse-toi me roider, toi. Je te tourne autour. T'es fou? Tu me cherches? Ah non, je sais. Je dois en avoir normalement dans des coffres. Puisque, oui. J'en ai enlevé tout à l'heure. Oh oui, c'est très intéressant de mettre un bout de verre ici. Hein? T'es d'accord avec moi? Complètement stupide. Oh ben, c'est surtout qu'un verre qui donne sur une bibliothèque, c'est hyper esthétique. C'est surtout indispensable. C'est pour faire les... c'est pour essayer d'éduquer les zombies quand ils sont dehors. Oh, laissez-moi rentrer. Tu lis le livre d'abord. Laissez-moi rentrer. Tu lis Alice au pays des merveilles avant. La voix que tu faisais était différente d'un zombie. Ouais, mais c'est un zombie qui... Ouais. Alors, ici... est-ce que t'as révisé ton craft tab? Non, toujours pas. Ouais, pendant ce temps-là, je vais lire des questions, alors. Je suis en train de faire la déco de la pièce. Travail, c'est as-tu bien. Résolu le fameux endroit où les zombies passaient dans le village, dans le désert? Non, mais je pense savoir d'où ça vient. Je pense qu'il n'y avait pas d'endroit où ils passaient. Je pense que c'est une question de positionnement d'une personne dans un chunk ou en bordure d'un chunk quand il est chargé et déchargé. Vous pouvez le voir sur l'épisode d'Aïpierre, là où il fait l'usine, là où il est en train de faire l'Iron Foundry. À un moment donné, il fait une déconnexion-reconnexion, il y a des villageois qui sont sortis de l'enceinte, alors que c'est des trucs qui font 3 blocs de haut, il n'y a aucune raison qu'ils sortent de ça. Qu'est-ce que tu fais, roi, là-haut? Tu dois faire, attention. F3. Non, c'est sur les feuilles, roi. Sur des feuilles. Ça spawn pas sur les feuilles. T'es sûr? Il spawn pas au désert. Mais non, ça spawn pas sur les feuilles. Donc c'est que t'as vu ça. C'est long, on verrait plein de mobs. Sérieux. C'est tellement con, un zombie. Ouais, c'est du code. Bravo. Et oui, donc on le voit là-dessus. Et on le voit aussi dans la base de Toy, il y a des villageois qui sont sortis de l'enceinte en bas. Donc je pense qu'il y a un bug là-dessus qui fait que de toute façon on ne pourra pas l'éviter. Du coup, on met des golems dedans et puis dans le pire des cas, si jamais il y a des villageois qui se font éclater, eh bien ils se font éclater, on en remettra d'autres. C'est pas dramatique. Il y en a encore. Oh là là, toutes les vaches là-dedans. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il est agressif, ce Aurélien? Ouais. Tu vas faire des redifs de tous tes lives. Pas tous les lives, mais celui-là, en l'occurrence, sera un redif. Pourquoi pas live sur Dailymotion? Il y aurait moins de lag. Alors, désolé pour les lags, s'il y en a. Et pourquoi ne pas le faire sur Dailymotion? Parce que les contraintes pour pouvoir être partenaire chez Dailymotion... c'est du barbarisme administratif, et s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est le barbarisme administratif. Pour devenir partenaire avec eux, ça devient tellement difficile. Je sais que c'est faisable, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce que je le sois, ou qu'Onigiri le soit. Mais bon, c'est des choses qui devraient être mises en marche en 2014, si ça se fait. Voilà, les questions sur Twitter. Tantard. Une tentative ouais. De gâteau. Attention, t'as essayé de crafter un gâteau. Attention. Comment tu fais pour que les Minecraft ne s'arrêtent pas dans les chunks se déchargeant dans la tour à mob? Alors, en fait, les Minecraft, quand ils rentrent dans un nouveau chunk, il y a le chunk qui est chargé temporairement pour récupérer les informations de ce qui va rentrer dans le chunk. Si le chunk est déchargé.
En l'occurrence, ça va prendre des directions quand on jette des items, etc. Et les minecarts, de l'autre côté, sont récupérés avec une certaine information au niveau de la vélocité. Donc dès que les chunks sont rechargés, le chunk a déjà comme information qu'il y a un minecart qui vient d'entrer dans le chunk là. Et donc du coup, ça va lui permettre de pouvoir continuer à ne pas s'arrêter en fait. Donc du coup, il récupère la vélocité qu'il avait avant. Je crois que c'était un bug qu'il y avait avant dans les versions 1.2 et 1.3, même plus vieux que ça. Maintenant, ces trucs ont été résolus, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu plus de... On retrouve un petit peu plus de minecart dans les mécanismes. Oui, Roi. Ça va? Orion. Orion. Ouais. Te donner une flèche. Oh, t'es trop mignon. Onigiri, c'est une team qui construit des grands trucs et des timelapses. Non, Onigiri, c'est une bande de potes. Pour moi, ça se limite à ça. Et on verra après la bande de potes si on a envie de faire autre chose que rigoler. On va faire des choses plus sérieuses. C'est pour ça qu'il y a un non-domaine Onigiri. C'est pour ça qu'il y a une chaîne Onigiri. Onigiri, pour vous, la seule chose que vous pouvez savoir, c'est une bande de potes. Donc du coup, ça sert à rien de poser la question comment on fait pour entrer dans Onigiri, puisque Onigiri est une bande de potes. Faut devenir pote. Voilà, faut devenir pote. Donc il faut sucer. Aurélien. Bon, t'as trouvé le craft des gâteaux ou pas? Ouais. Tiens, des gâteaux. Non, ça c'est pas un gâteau. Tiens. Non, tiens. Bordel. Prends-le mon gros gâteau. Allez hop. Un gâteau ici. Je vais en faire d'autres. Oh, un beau gâteau. Bonjour madame. Je voudrais deux croissants et un bout de gâteau, s'il vous plaît. Pas un pain. Oh, l'autre le riche. Dans l'item frame, il a carrément mis une table d'enchant, quoi. Bah ouais, attends. Oh, c'est pas trop cher, ça va. Bacon. Quand même, des diamants. Il aurait pu mettre l'œuf de dragon. Ouais, au moins c'est le seul unique. Bon, après on peut le dédoubler même. C'est les œufs du dragon. Pardon. C'est une omelette. Oh, ça commence à être mignon tout ça. Bah ouais, ça prend l'allure. Hein. C'est un potier qui est là. Je pense. Ouais. Ouais, j'ai perdu mon sucre. Qui c'est qui a mon sucre? C'est moi. Bouge pas, bouge pas. Je vais le faire rentrer à l'intérieur de toi. Ah oui, vas-y. Oui. Eh, d'ici, on verra bien ton île volante. Hein. Ah bah oui. Enfin, maintenant je le vois. Parce qu'avant je voyais rien. Oh, mais c'est déjà 5h, les gars. Oh, et ouais. Ah, j'ai pas vu le temps passer. Pourrais-tu transmettre le lien de ton pack de textures? Description. Nam. Sérieux, ça m'a redonné derrière. De la bouffe, mais Si, ça l'a mangé derrière. Ah ouais, d'accord. Ah oui, en plus c'est génial dans l'orientation ouais, comme ça. Ça le fait bien. Si tu veux prendre juste une part de gâteau. Mais en fait, ça le fait. Bah t'en as mangé. Mais tu l'as de l'autre côté. Mais si, côté vitrine en fait, ça l'a mangé. Ouais, ça fait bien comme ça du coup. Ouais. Bouffe pas tout le gâteau. Ah oui, d'accord. Bon bah, il va aussi falloir leur acheter des lunettes. Hein. Roll, oui, poseur de torches officiel depuis 1905. Oui, monsieur. Oh là là. Eh ben c'est type à mignon tout ça. Bon, il va falloir que je tombe du aussi bientôt à un autre épisode, hein, quand même, sur le château. Tu lèves jusqu'à quand? J'avais prévu de lever à peu près jusqu'à 5h. On peut pousser jusqu'à écart 20, mais après des obligations familiales font que je vais être obligé de vous abandonner. Donc du coup. Ouais, cool. Hop, d'accord, ok, toi tu sors. Ah là là. Alors, on va faire le point un petit peu de ce qu'on a fait depuis le début du live.
Alors, celle de la baraque existait déjà. On est allé sur celle-ci. Voilà. La hutte de la sorcière, celle-là. J'aime vraiment bien ce bois. Il rend bien. Dans certains cas, oui, il rend bien. Là, là ça va. Un poteau un peu vieilli. Ça passe pas trop mal. Ouais, c'est ça, ça fait bois blanchi. Hop. Notre ami le potier aussi, avec Auré enfilé dans une dalle. Ça va, ça fait pas trop mal aux oreilles. Ah ouais, et puis là c'est le potier. Ah d'accord, ok. Ah non, pas mal ton. Ah merde, comment s'appelle le tour? C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, un tour. Ça va, un tour à poterie. Oh, à potier quoi. La boulangerie. C'est violent. La boulangerie, il faudrait peut-être rajouter. Bonjour madame, vous êtes belle miche. Il vous permet pas. Malotru. C'est une boulangerie ou une banque là. C'est un peu sécurisé. Une vitrine. Je jure, l'autre, aucune imagination. Moi j'y ai. Hop, une frite, s'il vous plaît. Une frite. Une frite et une fouet. Faut qu'il y ait des maisons normales aussi. Non, ils sont pas là. Ici. Ils sont pas pour dormir. Ils sont pas là pour dormir, les villageois. Ils sont là pour bosser. Chacun a sa profession. Ici, ils bossent quoi. Non, attends. C'est où? Voilà, ici, petite chambre de bonne. Allez, parce que c'est une bonne et qu'on est gentil, on va lui mettre une claire. L'intérieur est pas. J'ai pas eu le temps de te faire tomber. ça, c'est la baraque de l'esclave qui a sa bonne au-dessus. Non, mais. Non, mais quoi? Non, mais juste. Aurélien, il passe derrière moi et paf, il a donné un petit coup. Quel le fourbe! Ah yes, alors ça par contre si ça passe. Ça passe là. Avec le tapis ça passe ouais. Bon. On fera la scène mais normalement le tapis ça gêne pas. Avec la table de camping ici. Non mais. ce serait peut-être sympa d'avoir on va mettre le sol différent là ici. Ici, il y a que dalle de fer. D'ailleurs, tu l'as trouvé où là, Auré, tout cette. Hey, je venais te dire bonjour. Je t'ai donné un coup de fleur. Au fond de la mer. Ouais. Un coup de fleur. Ça te prend comme ça, toi, tu sais pas quoi faire, hop, tu vas chercher de la clé. Ah bah oui, mais il m'en fallait pour même pas. Le maître des clés. Eh, hey, pourquoi tu me tapes? Eh, hey, tu dois pas avoir mal avec une fleur. Oh non, mais tu vas retirer un cœur. Non, ça va. Je le tape et je me TP avec la. C'est Aurélien Salah qu'on aurait dû monter sur des cochons. Ah, t'aurais dû rester sur ton coffre, je t'aurais dû. Je changerais ça, je mettrais. Je mettrais plutôt un tapis noir. Oh, comment t'es monté là-haut, toi? Ninja. Ou blanc. Ninja. Assassin's Creed. Bah, c'est ça, ça fait un peu Assassin's Creed. Assassin's Creed, cet endroit. Roi qui essaie de monter quelque part. Ah oui, c'est... Non, mais c'est... j'ai compris. Hop, et on va remettre. Raté. Ouais, raté. Après, cette maison-là ici, qui n'a pas de porte, à voir ce qu'on y mettra dedans dans celle-là. Ça pourrait être sympa. On peut le faire. Roi, viens, vite. Oups. Ouais, il manque un peu de hauteur. Ouais, mais c'est parce que avec mon armure, voilà, elle est trop lourde. C'est ça. Dans la même.
Oh attends, je suis en train de me mettre des dégâts tout seul. Ah, il est pas mal ce truc d'enchant. Ouais, j'aime bien varier un peu les bibliothèques. Faire des petites modulations. Ouais. Clic droit. J'ai découvert le clic droit. Et t'es pas encore au bout. Bon, après, je reconnais que la torche au milieu des bouquins, c'est pas forcément pas intelligent, mais bon. Mais pourquoi es-tu si méchant? Qui était pas arrivé de toute façon, je te rassure. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. Non, mais ça, c'est horrible, tu sais. Il lâche la flèche juste à ce moment-là, comme si jamais il avait une troisième œil à ce moment-là, puis Paul il s'arrête de courir, tu sais. Et moi je à travers la... Oh, joli. Il y a trois gens qui... Oh, le fourbe. Oh, il s'est fait un recul. Purée. Et bien sûr, là, le petit truc de marché qu'il y a ici et qui nous rejoint directement à la bouffe. Au stock de viande, parce que la viande, c'est bon. Manger de la viande. Que ça cuit-cuit ici. Ouais, ça cuit-cuit. Et j'ai plus de place. Là, tu peux prendre ça si tu veux. Bon, allez. Là, je commence à prendre cher. Les bons steaks. Mais me tue pas. Non. Mais non. Mais non. Je me suis sauvé comme un fourbe. Allez, hop. Bon, les amis, je vais être obligé de vous abandonner. On va être obligé de mettre. Allez, bing bing. Allez, où c'est que... Oh, où c'est que... Qu'est-ce que t'as fait? Il y a voir où je suis. Ok. Coucou. Ah oui. Ninja. Faut que je remette une barrière. Oh. Allez, bing bing, avance. Non, il faut que tu l'écartes du portail et que tu le fasses revenir. Hein? Tu l'écartes du portail et que tu le fasses revenir. Faut que je pète les barrières. Ben et ouais, moi, mais tu les remets après. Je me vois pas. Oui. Allez, bling. Blink, blink. Oh. Non, mais quand je te dis l'écarter, c'est pas de 3 blocs. Hein. Non, mais tu sais, bling bling, il est comme ça. Lui. Attends, attends. Hop. Voilà. Non, tu peux pas, il faut que tu l'écartes de... des blocs. Non, mais c'est il y avait le Big Ben qui se poussait. Ah là, il a pas passé. Ouais. Voilà. Il est sorti de l'autre côté. Sérieux? C'est pas mal, ça, comme téléportation. Il est ressorti où? Ah si, il est là. Il y a là, mon bling bling. Ils sont méchants avec toi. Et c'est sur cette extermination de Pigmen qu'on va se laisser. Du coup, rediff dans la soirée. Aïe, mais t'es sérieux, Auré? Bon, moi, je suis en train de regarder les derniers messages dessus. Il m'envoie. Ah là là. Tu t'es pris une flèche et une perle en même temps. Je peux voir le truc sur le live. Du coup, ouais, on se retrouve mais très bientôt pour des nouvelles choses, pour le live, etc., etc. Merci Auré d'avoir participé au live, merci de rien, Freeze, ça 5 euros. D'avoir modéré le chat, etc. Épée, si tu es encore là. Ouais, je suis pas mort. Ouais, il est toujours là, il est pas mort, il s'est toujours silencieux Épée. Très. Sur le live, ça donne vraiment, tu te chopes la flèche et il y a Tap qui vient à ta place. Ouais, ouais. Roy Tam, merci de nous avoir rejoint en plein milieu, on se retrouve très rapidement. Rediff ce soir et demain, allez, juste comme ça, deux épisodes de l'équipe. Ah. Wow, quoi? Ça, tu rigoles pas, toi? Non, parce qu'en fait, j'en ai tourné un premier et puis il faisait que 19 minutes et j'ai dit, bon, allez, dans la foulée, j'en fais un autre de 50. D'accord. Non, il fait pas 50, je sais pas combien il fait le deuxième, mais il Pourquoi fait. Pourquoi tu fais pas juste un gros épisode? Parce que le premier était déjà monté, en fait. Et j'allais pas le démonter pour le remonter. C'est toujours chiant de démonter et de remonter. Voilà, exactement. Ouais, tu fais ça pour te faire de la YouTube money. Exactement, exactement, en plus. Non, non, l'épisode était monté. J'allais pas m'amuser à reprendre le truc, reprendre les rushs, à dire « Ah, ben non, finalement, je reviens, le truc est pas... »
Puis quand un épisode est trop long, c'est chiant pour. T'as pas le temps de le regarder. Et en plus, là, c'est vraiment deux trucs totalement différents. Donc, vraiment, les deux épisodes sont justifiés. C'est juste qu'ils sont diffusés deux dans la même journée. T'as bien pu en diffuser un aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, il y avait live. Et bien, du coup, merci de nous avoir suivis aussi nombreux. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde. Bisous, ciao. Bisous.